La bécasse, c'est un oiseau migrateur particulièrement bien suivi au niveau de l'Europe. Une base de données est commune à tous les pays et elle est alimentée par les renseignements fournis par les bagueurs de bécasse. C'est de nuit, lors de la période du passage de ces migrateurs dans notre région, que les bagueurs, agents assermentés, opèrent. Armés de projecteurs et d'un petit filet, ils capturent, renseignent et relâchent. Les couvertures primaires et les riches primaires, les trois premières. Généralement, lorsqu'elles sont usées, on est plutôt face à une jeune. Lorsqu'elles sont peu usées, c'est plutôt une bécasse à l'huile. Là, c'est caractéristique, les riches ont toutes mouillées. Elles sont peu usées, c'est une bécasse adulte. Les couvertures primaires sont fines, grises. Également, ça indique plutôt une bécasse adulte. Celle-ci a été baguée le 7 février 2008 à la Sapinière, du côté de Roibon, par le bagueur référence 204-25. Elle s'appellera OY-519-18. C'est une adulte qui pèse 320 grammes. Allez, bon voyage 519-18!